Bonjour, bienvenue chez Pedro la Bricole et il a toujours des surprises pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un système très bête, très simple, que tout le monde connaît bien sûr, mais là il est appliqué et très facilement pour tenir tous vos produits avec des pchites, vous allez voir, pour pouvoir les accrocher et surtout gagner de la place au sol dans vos placards et pouvoir les utiliser très facilement. Vous me coupez un petit bout de bois, c'est très facile à faire, et deux petites équerres qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage ou que vous démontez lors des travaux à la maison. Maintenant vous allez voir, et il vous faut deux petites vis, c'est tout ce qu'il y a à faire. Je prends mon équerre, deux petites vis, voilà. Non. Je prends mes deux équerres, regardez, je passe une petite vis gentiment dedans. On va pouvoir la fixer, on va se faire aider, ça va aller plus vite. Par une petite visseuse, regardez. Voilà. Elle est fixée. On fait la même chose de l'autre côté. Regardez si c'est difficile à faire. Vraiment, on le fait en direct. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Sans aucun filet, sans trucage. Vous allez pouvoir voir comment on fait. Regardez, hop. Voilà. Ma pièce le est travail est fait en bois. De fixation. Maintenant, on va aller le fixer dans le placard de la cuisine. Vous verrez, c'est génial. Vous allez gagner du temps. La ménagère va apprécier. On se retrouve tout de suite. Voilà, maintenant nous sommes dans une magnifique cuisine rouge. Et vous allez voir l'avantage. Je vais tout de suite vous montrer comment le fixer, puis c'est réglé. Regardez les avantages. Nous ouvrons ce placard. Et regardez tous les produits que nous avons dedans. Donc, tous ces produits, on va s'en débarrasser. Très pratique. Pour la donc toujours une visseuse, on prend surtout des vis, faut vérifier avant qu'ils ne dépassent pas l'épaisseur de la porte, hein, parce que vous aurez une mauvaise surprise à l'arrivée. Hein. Donc, regardez, voilà, donc je fixe l'autre, et après on finit à la visseuse, c'est un peu plus puissant que vous quand même. Voilà, regardez. Maintenant, je fixe ma barre, comme on l'a dit, avec la vis. Et voilà, c'est fini. On fixe les deux côtés, les deux fixations, et voilà. Donc maintenant, je prends mes produits de vaporisateur, tout bête, et je les accroche gentiment. On gagne de la place, et tout va bien. Regardez, je ferme. Il n'y a plus qu'à les prendre. On n'a plus à s'asseoir. Vous allez voir, je les regardez prends tout simplement. Comme c'est facile. J'ouvre et je prends directement le produit en l'air, sans baisser pour le dos, que vous avez besoin, vous l'accrochez. C'est tout bête comme système, mais qu'est-ce que vous allez gagner comme place? Très pratique. Ah franchement, c'est le rêve pour la ménagère, regardez ça. Et voilà, la fixation est finie. Maintenant, vous allez pouvoir vous faire plaisir, très simplement, même dans les ateliers, pour pouvoir fixer vos produits, simplement avec deux petites équerres et un bout de bois. Oh, que c'était difficile. Allez, faites-moi ça et vous verrez, la ménagère va vraiment apprécier le service que vous lui rendez. Ça va être très pratique. À bientôt dans un autre épisode de Pedro la Bricole.